une biennale de création. Il y a des compagnies qui préparent leur spectacle pendant 2 ans pour présenter leur première à la biennale. La biennale, elle a un territoire qui est la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on a 45 partenaires culturels, donc il y a 65 spectacles, dont 30 créations, qui est le cœur de la manifestation, et à Marseille, au village Chapiteau, aux plages du Prado. Il y a un grand thème général à chaque biennale, c'est la diversité. Donc le maximum de propositions, parce que le cirque contemporain est vraiment très divers en propositions. Mais cette année, il y a quand même un focus sur la magie nouvelle, qui est un nouveau mouvement créatif très intéressant. Et puis aussi un focus sur les femmes porteuses de projets artistiques importants. Voilà, et donc elles sont très présentes dans la programmation. Marseille, maintenant on peut dire un peu que c'est un peu la capitale mondiale du cirque grâce à la Biennale, parce qu'il y a de professionnels du monde entier qui viennent voir toutes les créations pour les amener dans leur pays, dans leur ville, et ça c'est très très important. Et puis il y a aussi beaucoup de compagnies qui viennent s'installer maintenant à Marseille, et puis aussi dans la région au sud, PACA, pour justement développer la création.